Bonjour à vous, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, en ce jour, et allons-y pour ce nouveau tirage donc, que j'ai préparé là, rapidement d'avance. Et puis, je dirais même tant mieux, très bien, puisque j'ai des petits soucis encore et encore au niveau des enregistrements. Là, ça a l'air d'aller. Donc voilà, alors allons-y. J'ai changé un peu de place aussi. Je m'installe un peu plus confortablement. Et puis, voyons ce qui se trame donc dans l'ordre de votre esprit au moment présent. Ne prenez aussi bien sûr que ce qui vous parle. Alors allons-y, partons pour ce premier tirage. Alors ici, nous parlons de la compréhension. La compréhension, alors, il s'agit en vous, vous êtes à l'heure actuelle dans une. Votre situation, votre état d'esprit avance vers une liberté. Alors vous cherchez aussi peut-être à obtenir cette forme de liberté. On vous dit que cette liberté, vous l'avez. Vous l'avez, vous l'occupez, vous n'êtes pas seul d'ailleurs à aller dans cette direction-là. Et vous voyez d'ailleurs d'autres personnes, si vous regardez bien, vous voyez que cette liberté, elle est tout à fait abordable et faisable parce que vous faites partie de cette même communauté, de cette même orientation. Donc voilà, les barrières, en quelque sorte, ne sont qu'une illusion dans votre esprit si vous pensez que vous êtes prisonnier. Non, vous êtes comme un. Alors, vous êtes suffisamment grand, vous avez suffisamment de capacités pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir partir dans une nouvelle direction et la direction qui vous convient. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être aussi, comment dire, une volonté de prendre un peu de large. Ou tout simplement de voler de vos propres ailes, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, c'est tout à fait possible. On vous dit que vous en êtes capable. Donc je ne sais pas exactement ce à quoi vous pensez. Peut-être que vous-même, vous ne savez pas exactement, mais en tous les cas, il y a une forme de liberté. Normalement, vous êtes censé voir la direction que vous êtes en train ou que vous souhaitez prendre, parce que vous avez aussi sans doute vu avant le terrain, comment d'autres ont évolué. Vous avez peut-être aussi des exemples de personnes qui ont réussi hein, dans la vie, ou en tous les cas, peut-être des mentors, pas obligatoirement des mentors, mais ça peut en faire partie. Vous allez dans une direction qui vous ressemble, qui est faite comme vous. Et donc, vous suivez aussi les pas, hein, vos propres pas, mais aussi sans doute les pas des ancêtres. Je ne parle pas, je vois plus un corps de métier, ou aussi peut-être c'est possible qu'il s'agisse aussi d'une expression comme ça de famille. Hein, donc là, peut-être sur le cadre familial, sur le cadre sentimental, c'est possible aussi. En tous les cas, vous allez dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas, ça y est, vous êtes libéré. Et voilà. Donc allons-y, on va voir quand même ce que je passe maintenant sur le passé. Alors, il y avait ou il y a eu. Votre vie peut aussi être une sorte de festivité. Alors, il y a peut-être eu quelque chose lors d'une fête. Hein. Vous avez aussi peut-être obtenu un examen, un diplôme, un passage. Vous avez réussi quelque chose, une étape aussi de votre vie. Et on vous dit, bon ben voilà, la vie elle est comme ça. Elle est faite de succès et d'insuccès, de réussite et d'échecs. À vous de rester en fait dans cette même posture, dans cet équilibre. Hein. On voit la force du lion comme ça qui pourrait traverser les monts, les océans, la planète entière. Voilà, c'est ça la vie, c'est ça le parcours. Vous n'êtes
pas une personne obligatoirement parce qu'on fait la fête, vous êtes hyper enjolivé ou hyper excitable. Voilà, il n'y a pas d'excitabilité en vous. La vie est une fête, on pourrait dire régulièrement. Les hauts, les bas, pour vous, vous avez compris récemment sans doute que vous êtes dans une forme de, pas passivité, mais une force et une neutralité. Voilà. Donc vous aimez ce qui est, vous aimez la fête, vous aimez bien sûr les belles choses, les bonnes choses, mais vous acceptez aussi les mauvaises choses. Voilà, c'est les circonstances de la vie qui vous apportent aussi un équilibre. Donc vous avez pris un peu, comment dire, cet état d'esprit, peut-être récemment. En tous les cas, c'est une sorte de découverte pour vous. Vous avez peut-être réussi quelque chose récemment. Soit vous l'avez fêté, soit vous ne l'avez pas fêté parce qu'en fait, vous êtes un peu égal à vous-même ou égal aux événements de la vie. On ne voit pas une personne qui n'a pas de sentiments, pas du tout. Mais vos émotions, vous savez, les dominer aujourd'hui, voilà. Si vous avez réussi quelque chose, c'est ainsi. Pourquoi pas, ça se fête, mais c'est comme ça. Et si vous avez échoué quelque chose, eh bien, c'est ainsi aussi. Alors, bien sûr qu'on peut être à la fois déçu, mais c'est aussi comme ça. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de travail vis-à-vis de cela. Et d'ailleurs, comme il vous est dit, aujourd'hui, vous recherchez une forme de liberté, vous avancez vers quelque chose qui vous correspond, hein, vraiment, sérieusement. Alors, la question, vous êtes sur c'est la carte de la transformation. La carte de la transformation, elle vous montre, hein, donc la question que vous posez, c'est ça, c'est dans quelle découverte je vais, qu'est-ce que je suis en train de préparer, etc. On vous dit, lâchez un peu toutes ces questions parce que de toute façon, vous connaissez un peu les circonstances de la vie. Comme je viens juste de vous le dire, la vie peut être peut s'avancer avec des hauts et des bas. Donc vous pouvez avoir cette forme de domptage. Vous connaissez aussi, pareil, les ressources de la transformation et vous savez que la forme du repos serein en fait, hein, la sérénité, là on voit le visage d'une personne qui est reposée sur les glaives, sur les ailes, sur le yin, le yang, sur les fleurs de lotus, sur le serpent, sur tous les symboles qui peuvent être attraits à la force, mais aussi à la mort, à la renaissance, à toute cette maîtrise et sérénité en fait. Vous êtes, on voit ce bras là, cette main qui arrive sur le visage, qui se pose un peu sur le visage, vers le nez, entre le nez et la bouche, un peu comme si le visage, la main récupérait juste le souffle de la conscience, de l'esprit, et vous êtes un peu dans cette métamorphose là en fait. Votre questionnement est là. Alors vous ne vous demandez plus trop qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je veux faire, c'est que vous voulez aller juste dans une direction, et ce qui est quand même s'il y a ce problème de transformation, vous dire mais comment je vais faire, parce que la vie m'aura donné des aléas comme ça, des arrêts, on vous dit ne vous posez plus de questions justement parce que c'est votre principe, hein, c'est un principe de votre vie, c'est le principe de votre vie. Donc il peut y avoir une forme de rupture aussi pour aller dans une nouvelle liberté parce que vous rencontrer des personnes comme vous, vous êtes avec des choses identiques à vous-même, là. Ça résonne, ça rayonne,
Ça se passe face à vous, vous y êtes, donc vous avez la liberté et la possibilité d'y aller. Donc voilà, vous allez sans doute mettre peut-être vous arrêter aussi pour d'autres personnes. C'est possible que vous allez faire, vous faites un choix et le choix c'est d'arrêter en fait. Hein. Donc vous posez cette question là, est-ce que je m'arrête ici? De toute manière, si vous vous arrêtez à ce stade, vous allez prendre un nouveau départ et vous allez vers quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, on voit bien, il s'agit quand même de votre direction, la bonne direction. Donc, sur l'influence intérieure en vous-même, il y a une histoire. Ah, ben j'oubliais, très souvent ça m'arrive encore, on est sur la quatrième carte. Oh, mais dis donc, alors, je vais retourner celle-ci pour l'instant, parce que, mais combien même, vous l'avez peut-être vu, en tout cas, c'est très joli. On voit que vous avancez vers ce qui vous correspond vraiment sur le principe affectif, relationnel, avec des personnes vraiment qui vous ressemblent. Donc, c'est pas... Je l'ai dit déjà juste avant. Bon, alors, il peut s'agir aussi d'un cadre de métier, d'une association avec quelqu'un, mais on pourrait voir quand même un côté relationnel, affectif aussi. Peut-être d'une amitié. Vous allez peut-être de nouveau vers des amis, des personnes qui vous ressemblent et vous êtes en cours d'amitié avec ces gens-là. C'est marrant, je vois un rayonnement jaune extraordinaire. Donc, ça, c'est vrai que pour des personnes, vous allez voir hein, quelque chose de rayonnant. Ça, c'est presque magnétique, mais vous êtes transporté dans cette direction-là. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, votre double aussi, et vous allez vous dire « Waouh, c'est ça l'amour, en fait !» Vous sentez cet amour, mais c'est plus que de l'amour charnel. Hein. Il y a une attirance vraiment mentale, spirituelle, éthique. C'est assez... Waouh, c'est bon, hein, c'est très très bon. Donc, il est possible aussi que vous vous retrouvez dans un groupe. Et ce groupe-là, bah, ça y est, ce groupe vous correspond, ça vous va. C'est la bonne direction. Donc, un groupe entre filles, entre garçons, mixte, peu importe, sur un lieu. Alors, on pourrait aussi quand même voir un lieu de nature. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous allez vous retrouver, c'est possible pour certaines personnes, connectées comme ça avec la nature. Et vous allez comprendre que vous êtes reliés aussi avec ces portes-là. Donc, vous... Même si vous êtes vous humain et qu'on voit ces arbres, etc., et bien vous allez ressentir cette égalité entre vous et le mélange de toutes les espèces, en fait. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment, on ressent donc que vous accédez auprès de quelque chose qui vous correspond en amour, en sincérité, vraiment c'est une force, hein. C'est une force pure. Et pour obtenir ce genre de choses, bah, parfois c'est vrai qu'on peut revenir de loin ou comprendre que les ébats ou les émotions ne sont autres que une forme de maîtrise, hein, comment dire. Encore une fois, je répète, vous n'êtes pas une personne passive, mais plutôt sereine. Et donc, même si vous êtes emballé, on n'est pas obligé de voir votre expression. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer. Vous savez, un enfant est joyeux. Ben là, vous n'êtes pas obligé d'exprimer que vous êtes joyeux. Voilà. Même si quelqu'un aimerait savoir quel est votre sentiment du moment... Eh bien, vous n'avez pas le besoin de l'exprimer. Hein. Il y a un côté force, hein. Il y a vraiment une force tranquille aussi en vous. Donc, voilà. Alors, votre souhait,
et aussi d'avancer et de rencontrer des personnes qui vous ressemblent ou qui ont les mêmes aspirations que les vôtres ou aller vers un endroit, un lieu qui vous correspond. Voilà, hein, c'est vraiment ni plus ni moins aussi. Donc, alors peut-être que vous avez une vue sur une personne parce qu'il y a eu ce cadre-là, la réflexion, c'est est-ce que je m'arrête? Alors peut-être que vous allez vouloir stopper avec quelqu'un ou alors réaliser quelque chose avec quelqu'un qui est aussi déjà une personne forte en amitié, où l'amitié justement est bien présente en vous. Donc l'amitié, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Il y a cet amour qui est assez important, un amour universel aussi, et on pourrait dire que cet amour pourrait éventuellement se transformer. Mais en vous, vous êtes, dans votre inconscient, vous êtes amené à aller vers l'amour qui vous correspond. Donc, l'amour dans tout, dans toute sa splendeur, dans tous ses états, j'aurais tendance à dire, hein, un amour véritable, un amour sincère, un amour vrai, un amour lumineux. Voilà, c'est pas obligatoirement idyllique, mais ça y ressemblerait, hein, parce que voilà, ça fuse comme ça. Alors, on est. Le côté charnel, c'est pas vraiment, hein, c'est pas. Vous comprenez que ce n'est pas l'amour charnel qui est important, c'est pas ce côté animal ou reproductif qui est essentiel, c'est vraiment le côté harmonieux, spirituel, avec une attraction comme ça, mais simple en même temps. Et vraiment puissante et profonde. Donc c'est plutôt beau quand on est deux personnes avec deux polarités et qui arrivent à s'attirer comme des aimants. Voilà, ça peut être génial aussi. Donc alors, qu'est-ce qui va se passer là? On est vraiment... c'est le bon timing. Vous avez une vraie... Il y a une maturité, hein, dans les deux sens, hein. Là, on voit bien que vous n'êtes pas seul, hein. Ça, c'est un fait. Donc, il y a une construction d'amour. Il y a vraiment une construction... c'est plus que symbolique, là, hein. Oui, je fais que me répéter, vous rencontrez des personnes qui vous ressemblent, qui sont comme vous. Si ce n'est pas 10, c'est juste une. Mais en tous les cas, c'est assez puissant. Et ça y est, vous êtes vraiment sur la voie, quoi. C'est très lumineux, c'est merveilleux. Et oui. vous n'avez même pas besoin de vous poser de questions. Vous le savez, en fait, aujourd'hui. Hein, c'est pas que c'est la magie qui opère, c'est votre expérience de vie. Que vous connaissez, que vous arrivez à cerner, que vous savez maîtriser. Vous la réalisez et vous savez que c'est ça aussi la vie. Donc, vous avez sans doute eu plusieurs vies pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas votre première non plus sur Terre, mais en tous les cas, ça y est, vous êtes dans cette résonance. Vous accédez au merveilleux cadeau de l'univers sur Terre, hein. C'est quand même, moi je dis que c'est, oui, c'est puissant, l'amour est très puissant, waouh. Alors on est sur le côté qui peut encore être transformateur. Alors la vie, elle vous apporte, hein, le talent du créateur, le talent de la créativité. Elle vous a toujours emmené sur, c'est pas de dépasser vos capacités, elle vous a toujours imposé à vivre avec du talent, à avoir un côté talentueux. Pas obligatoirement débutant, parce que vous avez toujours des connaissances de base, plus sur peut-être le monde de la créativité en tous les cas. Donc il peut s'agir d'une créativité à la fois spirituelle, mais aussi artistique, peu importe, mais quelque chose qui est en vous, qui peut être un métier, hein, aussi, hein, un vrai métier, un sacré beau métier. La vie, elle vous aura toujours construit là-dessus. Donc maintenant, vous avez aussi cette possibilité de rester en confiance avec vous-même, parce que vous avez, ça y est, vous savez ce qu'est la vie.
Hein, c'est du succès, c'est de l'échec, mais c'est en même temps de l'harmonie, c'est normal, c'est l'équilibre. C'est toujours tendre de l'équilibre. S'il y a un poids qui mène comme ça, plus là, eh bien, on va toujours essayer d'aller sur cette balance-là et de créer, de produire quelque chose. Et la vie, elle vous a toujours emmené par là. Et vous restez dans ce côté talent créateur. Donc, si vous avez un CV, par exemple, on vous pose la question, qui êtes-vous? Ben, je suis créateur, je suis créatrice, c'est ma vie m'emmène comme ça. Donc, peu importe, vous n'allez pas le dire comme ça, but en blanc, mais en tous les cas, vous êtes une personne prête à pouvoir créer, démarrer une entreprise, mettre le pied à l'étrier dans chaque développement de vie, et vous rencontrez aussi, comme je vous ai dit, des personnes maintenant qui sont aussi comme vous. Alors peut-être que ça, c'est assez nouveau, parce qu'on a la transformation qui est là, qui vous dit que vous êtes enfin dans cet embrasement-là. Alors, c'est embrasement, ça ne veut pas dire que c'est un feu qui va s'éteindre. Ça y est, vous êtes dans cette énergie, en fait, hein, cette énergie-là, qui est vraiment solide. Alors, pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je mette une deuxième carte donc lors du tirage. Alors je l'ai posée, et bien oh là là, on a cette plénitude. Cette plénitude, c'est le cadeau de la vie. Ben, je ne fais que me répéter en fait. Hein. Et je dirais que c'est un. Vous voyez, là on a le fruit mûr, le fruit qui tombe de l'arbre, etc., qui est bien sucré, qui est vraiment, voilà, qui arrive au bon moment, bien engorgé, bien conséquent, donc c'est nourrissant, c'est riche, c'est même riche en vitamines, on voit toutes ces belles couleurs derrière qui émanent, hein. Ça c'est les couleurs de chakra, donc on a le chakra solaire, on a le côté spiritualité aussi qui remonte, on a le cœur, on a l'amour, vous avez la voyance, la clairvoyance, l'esprit beaucoup plus large et nourrissant, donc telles sont vos facultés qui occupe votre vie en fait. La vie vous a toujours emmené d'une manière ou d'une autre à réussir et à produire jusqu'à ce que eh bien cela apporte des fruits. Voilà. Alors, et les fruits sont succulents, ils sont bons, et ce sont vos propres fruits de la création. C'est là aussi une des raisons pour laquelle vous avez la transformation qui est là, sur un questionnement où vous dites, il y a encore un truc qui va se préparer, alors maintenant j'ai terminé ce cycle-là, eh bien, il y en a un nouveau qui arrive, c'est certain. Eh bien, ce nouveau, c'est celui-là. C'est l'amour, vraiment, avec un grand A, et quelque chose d'universel, c'est possible aussi. C'est peut-être un corps de métier où la vie, de toute manière, vous mène à créer une forme de production avec le cœur et la sincérité, voilà, tout ça. Alors, peut-être que là, encore une fois, comme je vous dis, c'est plus... si vous étiez solitaire, vous allez avancer maintenant à plusieurs, minimum, donc en binôme, hein. Alors, ici, vos peurs, vos désirs, peut-être. Alors, l'expérience de l'existence. Alors, vous vous dites quand même que vous avez avancé, 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 avancé dans votre vie. Et vous avez déjà beaucoup vu, vous avez déjà beaucoup entrepris, vous avez déjà beaucoup connu. Et eh bien, en même temps, votre espoir, c'est aussi de continuer d'avancer dans cette... On vous dit que vous avez cette énergie là, pour être tout le temps dans l'expérience. Pas l'expérimentation, mais l'expérience. Alors, bien que quand on démarre, on expérimente, vous êtes de nature créatrice, mais cette fois, on voit bien que vous avancez avec l'expérience et vous la traduisez dans la matière, hein, la création. C'est quelque chose qui existe vraiment, qui se met en place, et voilà, donc allez-y, continuez, avancez dans ce domaine-là. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose et vous dites, bah,
là, ça ne l'a pas fait, ou etc., etc. Vous savez que si maintenant vous pouvez continuer, c'est votre espoir, et en même temps, la vie vous dit que c'est votre personnalité. Hein. Donc vous restez, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, voilà. Peut-être que vous avez eu, comme je vous disais, sur un passé récent, une réussite, mais peut-être aussi un échec, ou peu importe, en tous les cas, ça s'équilibre en fait. Donc, mine de rien, vous comprenez que la vie, quand elle est, quand elle vit, quand elle est toujours là, eh bien c'est ça le succès en fait. Hein. Donc vous continuez d'avancer. Et vous êtes donc cette personne-là, comme capable de vivre avec cette maturité qui est quand même assez hors du commun, hein, on peut le dire. Vraiment, waouh! Alors, ce qu'il faut faire, action conseil, ce qu'il faut faire, eh bien, alors ici, on pourrait dire aussi que vous connaissez maintenant le monde extérieur, vous connaissez les uns et les autres, vous pouvez aimer, mais aimer avec savoir. Ça, c'est quelque chose qui a ou qui doit se transformer ou continuer pour vous. Ne lâchez pas ça. Parce que on vous dit hein, ce qu'il faut, donc ce qui est important, c'est pas à vous d'être une fausse personne, restez toujours humble, restez dans cette manière. Oui, l'humilité est très très importante, le devoir c'est très important, mais vous savez aussi cette fois-ci qu'on ne peut pas vous y prendre encore une fois. Il y a tellement de maturité là, il y a tellement de, vous êtes vraiment dans cette voie de la réussite et que cette carte-là veut bien dire, franchement, avec l'expérience en dessous de l'existence, veut bien vous dire que ça y est, vous connaissez les fausses personnes, vous connaissez les blabla, les grands discours, etc. Et vous savez manipuler, façon de parler, mais c'est aussi le cas. Donc on ne peut pas vous avoir, on ne peut plus vous avoir. C'est assez, assez fort, hein, assez fort. Donc vous n'êtes pas du tout malhonnête, c'est pas ça. Vous êtes peut-être une personne issue hein, de corps politique, ça c'est possible aussi, vraiment, avec le mot politique, mais il peut s'agir d'une entreprise, d'une relation, de relationnel dans la vie, hein, de sociabilisation en fait. Hein, et vous savez faire, vraiment vous savez faire dans divers domaines, voilà. Donc c'est plutôt bon. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas lâcher ça de vue. Hein. Les personnes autour de vous, même si elles veulent faire du bien, être au maximum, etc., vous savez bien que souvent, il n'y a pas obligatoirement... on n'est pas obligatoirement dans la sincérité, il peut y avoir des doubles jeux, voilà, hein, et ça, vous les connaissez par cœur, en fait. Donc, vous avancez vraiment dans une direction qui est hors du commun, en pleine sincérité, et vous allez rencontrer des personnes qui sont comme vous. Il s'agit peut-être aussi d'une famille, hein, vous allez vers votre famille, c'est possible aussi. Alors, en plus, qu'est-ce qu'il faut faire, le résultat? Eh bien, vous suivez le courant. Donc vraiment restez, comment dire, ne vous posez pas trop de questions, parce que étant donné que vous êtes sur la bonne voie avec toutes ces facultés, si croyez-le, vous êtes doté de maturité, d'expérience, de sincérité, de savoir, de sérénité, donc de régularité, avec de grandes maîtrises et de facultés de créativité hein, multiples. C'est vraiment... La vie vous a emmené, vous étiez peut-être plusieurs fois amené à avoir différents postes, différents métiers, mais encore une fois, très souvent,
On voit là une personne qui a démarré ou créé une entreprise ou voilà, c'est vraiment fort possible. Et vous êtes dedans en fait, ça fait partie de vous, hein. C'est la trame de votre vie. Donc maintenant on vous dit suivez le courant, allez dans cette direction, vous revenez en fait, hein, s'il y a eu coupure, et bien là vous retournez dans cette bonne direction, puisqu'il s'agit, comme on dit, le naturel revient au galop, et là il s'agit de votre nature, hein, réelle. Donc c'est plutôt très bien. Alors sur le carré, j'ai fait un petit le carré de protection. Alors, on parle de la roue, l'archange Michael. Alors Michael, lui, il vous apporte. Alors c'est aussi Michel, mais il apporte cette conductivité, quelque chose de rapide. Hein. Donc on arrive sur une détermination, une situation quand même qui est en train de se libérer. Si vous êtes dans une situation qui vous aura enchaîné, vous voyez, là on voit les barreaux, hein, c'est possible, et bien là vous êtes rapidement, hein, ça se fait très rapidement, vous allez vous retrouver enfin libre. Donc ça y est, là c'est en train de se faire, et c'est un heureux dénouement en plus, hein. Donc s'il y a une rupture derrière, en tous les cas vous allez vers une nouvelle amitié, ou alors c'est une amitié qui se transforme en amour un peu plus charnel aussi, mais qui reste vraiment voilà, c'est très 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 élevé, hein, vraiment très élevé. Alors la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible, elle vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Alors je lis, hein, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Alors ce qui est dit là, c'est que vous n'êtes pas seul en fait, hein. À présent, vous allez vivre avec plusieurs personnes, où vous vous entourez, où vous serez entouré, vous êtes destiné maintenant à avancer en groupe ou en fonction des uns et des autres, mais pas, vous n'êtes plus seul en fait. Donc il n'y a pas, c'est pas imposé, mine de rien, c'est plus vraiment, encore une fois, il y a une forme de liberté. C'est presque idyllique, hein, ce que je dis, hein, mais c'est quand même le cas. Donc, de toute manière, vous allez comprendre que vous pouvez aussi. Hein. Par contre, si vous êtes seul, il faut sortir un peu de votre zone de solitude. Hein. Donc, vous mettre maintenant un peu plus avec les autres aussi. Parce que vous êtes avec des personnes qui vous correspondent. Hein, qui vous correspondent. Donc, vous avez peut-être qu'il s'agirait aussi d'un cadre, d'un métier, d'un groupe, quelque chose, hein. Vous allez, de toute façon, ça va se faire. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui savent comment réaliser une forme d'entreprise avec justement du monde social, avec plusieurs personnes, peut-être un métier politologue, il faut que j'enlève le côté politique là, avec un métier par exemple de conférence, vous allez peut-être devenir instructeur, instructrice, informateur, formateur ou formatrice, ou tenir un groupe, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui se trame. C'est clair et c'est très important. Donc encore une fois, qu'il s'agisse même de la famille ou autre, c'est en train de se produire. Alors on voit aussi le côté arbre des deux côtés là, la reine de terre aussi, c'est la nature, la sensibilité, hein, cette chaleur. Donc on est sur le chakra racine aussi, l'enracinement qui est important, la stabilité, hein, là vraiment ça se ressent,
aussi que c'est en force, en existence. Si je me remets sur un côté terre, comme ça, on voit que aussi le succès, cet apport magnétique là, de l'animal, du corps animal, du tigre, eh bien, c'est une émanation, un ancrage. Donc, y a vraiment quelque chose de très fort et de déterminé. Donc, vous n'êtes vraiment plus seul. Vous ne pouvez pas être seul. Si c'est le cas, il le faut là pour enclencher tout ça. Il s'agit d'avancer avec du monde. Alors, 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. Vous voyez ? Alors, vous avez peut-être aussi des idées. Vous étiez un créateur peut-être ou créatrice où vous aviez avancé seul dans la vie. À présent, on vous dit, c'est terminé. Vous n'avancez plus seul. Vous allez pouvoir aussi déléguer. Vous allez aussi voir que, comme il est dit, vous rencontrez des personnes qui sont comme vous. Et il y en a plus que vous ne le pensez. Et donc, c'est plutôt agréable. C'est plutôt très bien parce que il va y avoir des postes comme ça. Alors, j'entends même aussi des postes à pourvoir, hein, pourquoi pas. Peut-être que on vous propose un métier et c'est un métier qui va vous correspondre parce que ce sont des gens qui sont comme vous et qui ont besoin peut-être de vous ou vous-même. Vous êtes en train de créer une entreprise, vous avez compris, vous avez besoin. Vous pouvez déjà démarrer. Si vous démarrez, eh bien, déjà démarrer avec quelqu'un. Voilà. Vraiment, là, vous rencontrez les bonnes personnes. Il peut s'agir d'une amie ou d'un ami, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, c'est possible, vraiment. Enfin, voilà, tout est pratiquement permis. L'essentiel, c'est que ça vous corresponde. Alors, l'éveil, Archange Gabriel, alors voilà, vous allez obtenir des messages. Et si ce n'est pas le cas, c'est à vous aussi de faire un pas en avant. Alors, il y a quelque chose qui bloque, une petite impasse temporaire. On vous dit de rester d'accord avec vous-même. Voilà, ne soyez pas trop pressé non plus. Laissez aller, hein, suivre le courant parce que, si ça bloque, là ici on pourrait dire par exemple, je sais pas, moi il y a le coup d'un week-end, eh bien c'est normal, hein, ça bloque, ne soyez pas, ça va venir, en tous les cas, ça, ne soyez pas bloqué là-dessus, ça va venir dans la semaine par exemple, hein, pas d'inquiétude, les choses sont en train de se passer comme il faut. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très vite. Et puis, belle avancée. Vous pouvez savoir que votre cage est bien ouverte. Hein. Il n'y a plus de barreaux. Le reste, c'est de l'illusion. Si vous croyez que vous avez des barreaux autour de vous, là, vous êtes dans l'illusion. Allez-y doucement, mais sûrement. Suivez le courant. Connaissez sereinement. Vraiment, pas d'excitabilité, encore une fois. Que ce soit de sentiments joyeux ou tristes, restez égal à vous-même. Vous avez de toute façon maintenant cette maturité et c'est ainsi que vous allez aussi rencontrer vraiment les personnes qui vous correspondent. Vous avez cette énergie, la loi de l'attractivité qui est là. Donc, il n'y a rien de plus beau. Hein. Compréhension, amour, amitié, maturité, le succès, la création, la plénitude, l'expérience de l'existence, une capacité en plus à parler, à dialoguer, à comprendre le côté politique qui est là, suivre le courant. C'est pas que vous n'avez peur de rien, mais vous savez, vous connaissez. Donc, tout cela, c'est plutôt parfait. Et en final, vous êtes aussi toujours sur cette voie de l'éveil. Donc, vous savez aussi que si quelque chose coince et bloque, suivez le courant, lâchez, restez serein ou sereine, faites-vous une petite pause et ça va se libérer, suivre son cours. À très très vite, n'hésitez pas à liker et puis actionnez aussi le pouce, la petite cloche. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.